Sunday, now be a most, now be a drug, now be a God, now be a sin, now be a thorn. C'est là qu'a une signification. En effet, il y a 40 ans de cela, cette dame qui bataille de ses mains comme tout autre chrétien ordinaire, mais elle n'est pas en fait engagée, comme on aime le dire. Mais un dimanche, après avoir fait tous ses travaux à la maison, elle a pu se développer pour arriver à l'église. Arrivée là-bas, pendant la prédication, une voix a dit à cette dame, il dit Alléluia. La dame, elle dit qu'elle ne peut pas dire Alléluia. Une fois, deux fois, trois fois, elle dit qu'elle ne dit pas Alléluia. Alors, soudain, elle a vu une forte lumière qui est venue depuis l'autel de l'éducation. Cette lumière l'a envahie et l'a pénétrée profondément. Et cette dame, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, Alléluia, elle n'a pas voulu dire, elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, chers frères et sœurs, elle venait de répondre à l'appel de Dieu. Comme Noé l'a répondu en son temps, comme Moïse l'a répondu en son temps, c'était à elle son tour. Et Dieu va lui confier une mission. La mission que Dieu lui a confiée, c'est d'annoncer au monde entier que le monde est fini. Pour bien mener à bien cette mission, Dieu va lui donner un don extraordinaire. Un don que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Depuis que le monde est créé, c'est la deuxième fois que Dieu le fait. Ce don, c'est le don de communiquer avec Dieu en direct. Le don de causer avec Dieu. Quand on dit ça, tout le monde dit, mon Dieu est mal. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Pour elle, ce n'est pas en songe, ce n'est pas en rêve. Ce matin, je vous parle, vous m'entendez. Vous aussi, si vous parlez, moi aussi, je vous entends. C'est de cette même manière que cette âme est commune avec le Dieu de l'enfant d'Israël. Et cela, ça fait 40 ans qu'elle le fait. Alors, chers frères et sœurs, ne soyez point troublés, ne soyez point inquiets. Ce matin, vous venez d'emprunter le chemin qui mène tout droit à la nouvelle Jérusalem sans embouteillage. Si vous ratez ce chemin, vous serez dans l'embouteillage. Le temps que vous arrivez au monde à vous, il sera peut-être trop tard. Alors je vous en prie, faites le bon choix, le choix qui sauve, le choix qui donne la vie, ce choix, c'est le choix de Naomi. Pour ce matin, nous allons demander au Dieu de la protection d'avoir pitié de vous, qu'on ait pitié de nous tous qui sommes ici. De vous faire grâce également, comme la faire grâce à tous ceux qui sont ici. D'ouvrir vos yeux, pour que vous aussi à votre tour, vous puissiez voir toutes les grandeurs de Dieu qui sont dans ce lieu. Que votre séjour parmi nous soit la meilleure de votre vie dans le nom de Dieu. Et dans votre amour, alors vous allez être silencieux. Cela est aussi valable pour nos frères et sœurs qui sont également sur les différentes marches. Thank you.
C'est vrai. Dieu, c'est lui qui a établi la prophétesse Naomi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a assis là. Votre bonheur, votre vie que Dieu va vous donner, c'est ce que vous voyez en face de vous et qui sont assis là. Amen. Amen. Elle nous viendra, vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que ce jour-là, avant de prendre la parole, j'ai dansé au milieu de vous. Vous êtes témoins. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. It's now in my name. L'ayez fermé les deux prions. Je suis quoi qui m'a dit que nous avons gagné une grande nous, nous avons été au bas de la bande. Amen. Nous avons été avec toi. Les mots qui ont gagné la bande, c'est la vie de l'Union, avec les hommes de l'Union, il y a un soin de l'homme de l'Union et de la bande de la bande. Il y a un soin de la bande, nous avons gagné, il y a un soin de la bande, nous avons gagné. Thank you.
Amen. 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 Sur Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile.
ressuscité également en son nom. Amen. Si aujourd'hui on rejette le Seigneur de l'Église, sachez que en son temps, le Seigneur de l'Église, sa nouvelle venue, afin de voir, sachez qu'il a été rejeté lorsqu'il est descendu pour la première fois en Israël. Ne soyez pas étonnés. Si Héron lui est le roi, lorsqu'il a pris la main, il s'est mis en colère, il n'a pas voulu entendre, sachez que je vous ai dit également que la prophétesse d'Envie a informé l'Église, le président de l'Église de Séva, lui aussi, il ne voulait pas entendre. J'ai établi une similitude pour que vous puissiez comprendre. Voici ce qui s'est passé à Israël et voici ce qui s'est passé lorsque Dieu a établi la prophétesse Naomi. Amen. Lorsque nous parlons du Seigneur de Christ descendu en bas de moi, au côté de la prophétesse Naomi, vous ne croyez pas. Vous croyez à ce qui s'est passé en Israël. Vous croyez à l'ancien, n'est-ce pas? Mais sachez que de la manière que vous ne croyez pas actuellement, c'est comme ça les hommes n'ont pas cru en son temps. Mais comme c'est passé et que c'est écrit, lorsqu'on rencontre, c'est agréable, ça vous plaît et vous croyez. Mais sachez que c'est la même situation qui s'est passée en Israël. Amen. Lorsque Dieu avait dit qu'il allait venir, il allait être ressuscité et que son sang allait couler, et qu'après il allait être ressuscité, si cette prophétie ne s'était pas accomplie, est-ce que vous allez croire? Après sa mort, si ça n'a pas été ressuscité, est-ce que vous allez croire? Vous n'allez pas croire. Amen. Je vous dis en toute sincérité et en vérité, c'est Dieu qui a établi la prophétesse Naomi. C'est le trône du Seigneur Jésus-Christ qui est là en face de vous. Amen. Croyez et acceptez votre bonheur, votre vie, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Tout ce que Dieu a établi pour vous, les êtres célestes, les grands êtres célestes, Dieu a déjà fait, c'est ce que vous voyez en face de vous. Acceptez et croyez que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Mon père nous a suivi à Kani, je les ai appelés. Moi, j'ai appelé, et le père, je lui ai dit, moi, dit mais papa, c'est à moi. Ni papa, mais à moi. Je suis pour moi, c'est ça. Mais ce qui est votre père, faites-le nous, comme vous. Apunya, dengan yang dimuai itu fakat ini, enam orang terlepas, muao pemberian wah, acak kena beli sambil api asyik, sebab orang kita wajar so masih ni beli Israel ni, ini yang beli, leh, kau main aja leh, nak kata apa mu, nak siapa mu, ah, saya mengambil. Et jette à tuer l'enfant.
parce que j'avais pas de coup. Mais pour lui, tu veux cligner sur le but après et il tue l'enfant. Pourquoi? Mais là, on s'en a répondu que c'est Dieu lui-même au départ. Il s'est expliqué à Hérode avec le verset à la pluie. Et après, il vient le tuer. Pourquoi? Moi, c'est ma question. Vous savez que c'est votre bonheur, vous savez que c'est votre paix, vous savez que c'est votre sécurité, mais pourquoi le tuer? Et les amis, 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 alors rapidement. Amen. Je pense qu'ils savent cette vérité. Mais pour ne pas suivre cette vérité, il faut tuer la main pour faire disparaître cette vérité. Je crois que c'est ça. Mais le but de faire disparaître la vérité, quel est le but? Pourquoi ne faire disparaître cette vérité? Puisque l'enfant qui est né, c'est lui qui est venu pour diriger le peuple de Dieu. Prenez le cas. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Donc en fait c'est pour que les meurs intérêts. Ils n'ont pas envie de prendre leur privilège. Donc si on veut bien voir un coup d'état. Mãos a
Pilate
pesé le cœur du peuple, il a dit bon, je vais le faire battre et je vais le relâcher. Les gens disent non, 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 non. Il dit bon, si c'est ainsi, moi je ne vais pas coupable de ce sang innocent. Il a pris l'eau, il a lavé sa main, il dit je ne suis pas dedans. Il dit oui, qu'est-ce que ça retombe sur nous et sur nos enfants? On me dit non, c'est le juge. Et les chefs sacrificateurs, les maîtres de la loi, ceux qui se disent qu'ils servent Dieu, c'est eux qui disent que. Si aujourd'hui moi, je suis assis dans ma chaise et je dis que je ne crois pas à la prophétesse d'Ami, ce qu'elle dit là, c'est pas vrai, je ne parle pas avec elle, moi je ne suis pas capable de ce qu'elle dit là. Et à quelqu'un qui sort, dit non, ne parle pas ainsi. La prophétesse d'Ami, c'est Dieu qui l'a établi. Elle est dans la vérité. Elle a su la bonne voie. Elle a su la trajectoire de la voie de Jérusalem. Donc, calme-toi. Je dis non, 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 je me laisse savoir que je préfère mourir. Si elle va rester. Et je dis après, je vais. Voici ma chaise. C'est là que j'étais assis et puis j'ai parlé. Et cette malédiction est tombée sur moi. Je ne suis plus en vie et je suis parti. Si quelqu'un doit venir et prendre mon héritage et qu'il s'assoit dans cette chaise-là, est-ce que la malédiction qui m'a emporté et cette malédiction ne va pas s'abattre sur lui aussi? Correspondait aux indications que les savants lui avaient.
Seigneur, celle qui pleure de ses enfants, elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. Amen. 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 Et les savants, lorsque
lorsqu'ils sont partis, ils ont suivi l'étoile. Là où l'étoile s'est arrêtée, ils sont entrés, ils ont vu l'enfant et sa mère Marie. Ils ont offert des parfums, de l'or, des myrrhes à l'enfant et ils ont commencé à... Ne dormez pas. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Amen. Amen. Après avoir fini, ils sont sortis. Et divinement, il y a un ange qui est venu, il a dit que ne retournez pas par le même chemin. Hérode, en leur disant, allez-y chercher là où se trouve l'enfant pour que j'aille l'adorer aussi. Les savants, eux, ils ont pensé que c'était pour aller l'adorer. Or, ils ne savaient pas que Hérode avait une mauvaise pensée. Sa pensée, c'était d'aller tuer l'enfant. Puisque c'était le roi qui devait être Israël. Et ils sont partis. Lorsqu'il a su que les savants se sont autour de lui, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont vu l'enfant, ils ont pris de l'encens, des mines, de l'or, ils ont offert des cadeaux à l'enfant digne des rois. Ils ont glorifié Dieu. Voici pourquoi je vous ai dit ici un jour que lorsque vous allez voir la prophétesse, ne partez pas les bras ballants. En partant, ayez soit un morceau de savon, un peu de riz ou un peu de riz ou un peu de magie, prenez quelque chose. Lorsque vous allez arriver, que vous allez donner à l'homme de Dieu et que vous allez exposer vos problèmes, Dieu pourra vous aider à vous doter favorablement. Amen. C'est un conseil que je vous donne. Je ne dis pas moi-même parce que c'est écrit. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne et je vous ai dit ça dans ce temple-là un dimanche. Amen. Voilà. Donc lorsqu'ils sont partis, les savants furent partis, un ange là apparu à Joseph. Il dit à Joseph, debout, prends l'enfant et fuis. Parce que Hérode cherche à faire mourir l'enfant. Amen. Amen. Mais l'enfant qui vient de Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Et donc Dieu est en train de fuir devant Hérode. N'est-ce pas? Il a pris le fruit du même, n'est-ce pas? Oui. Parce que dans la suite, lorsque nous descendons, ils ont fui pour aller à l'Égypte. Je vais appeler mon enfant à sortir hors d'Égypte. S'il sort de l'Égypte, il va où? Il va à Israël. Donc ça veut dire qu'il a fui pour aller à l'Égypte, n'est-ce pas? Oui. Dieu a fui pour aller à l'Égypte. Dieu s'est impuré, n'est-ce pas? Oui. Comment non? L'enfant qui est né, c'est pas lui Dieu. Oui. C'est pas lui Dieu. Pourquoi il fuit devant Hérode? Il a aussi sur
Thank you.
yani ana kile asu asu kenye mwezima mbao ana apa kuna kwa asu amen 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 mama wangu amen 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 je vais répondre pour vous. Dieu, rien ne peut prendre le dessus sur Dieu. Mais c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Amen. Il y a de cela 2 ans que la prophétesse ne vient pas parmi nous. N'est-ce pas? Et certains parmi vous disent que la prophétesse Naomi, Dieu l'a abandonné, elle ne nous dirige plus comme se doit. Elle ne peut pas le travail comme se doit. Est-ce que Dieu est encore là? Où allons-nous? Mais croyez, Dieu, cette période-là, c'est comme si on prenait le Seigneur, le Christ, l'enfant, pour fuir en Égypte, n'est-ce pas? Dieu, à un moment donné, il se comporte comme un être humain. Parce que ce qu'il va faire après, ça sera une chose grandiose. C'est pour révéler sa gloire. Parce que pourquoi, à un moment donné, il s'abaisse et se comporte comme un être humain. Dieu est avec la prophétesse Naomi. Dieu n'a pas abandonné la prophétesse Naomi. Dieu, il n'est plus que jamais avec la prophétesse Naomi. Amen. Croyez et acceptez. Ayez la crainte de Dieu. Tout ce que sort de la bouche de la prophétesse Naomi, croyez. Dieu n'a pas abandonné. Dieu est toujours avec la prophétesse Naomi. Mais c'est un travail que Dieu lui est en train d'effectuer. Dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. L'enfant allait vous perdre le peuple d'Israël. Mais à un moment donné, il se retrouve en Égypte. Et c'est là-bas qu'il est élevé. Et à un moment donné, il est revenu encore. Après la mort d'Hérode, mais qui a tué Hérode? Il est resté là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. Qui a le pouvoir de vie? Qui a le pouvoir de la mort? Qui a tué Hérode? Et il est venu. Sachez que c'est un travail que Dieu est en train de faire. Lorsqu'on va plus bas, il est écrit quoi? Que afin que s'accomplisse ce qui avait été prédit par le prophète, j'ai appelé mon enfant pour sortir d'Égypte. Amen. Amen. Rien ne surprend Dieu. Tout ce que vous constatez dans le travail, Dieu l'a déjà prédit. C'est la prophétie. Mais comme le temps de la réalisation de ces prophéties ne sont pas encore arrivés, voici pourquoi vous avez des doutes, voici pourquoi vous êtes en train de vaciller. Dieu, lui, ça ne surprend pas. Il savait que le travail, à un moment donné, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Lorsque le prophète disait que je vais appeler mon enfant hors d'Égypte, Marie même n'était pas encore née. Mais Dieu lui-même savait qu'à un moment donné, cela va s'accomplir. Donc Dieu est en train de réaliser la prophétie qu'il a déjà annoncée d'avance. Amen. Amen. Donc ne pensez pas que Dieu n'est plus avec la prophétesse Naomi ou qu'il y a un problème. Parce que dès que vous avez un peu de difficulté, vous posez tas de questions. C'est pourquoi ces tas de questions vont vous faire chuter. Croyez, Dieu est toujours avec la prophétesse Naomi. Ayez la crainte de Dieu. Acceptez, mettez toute votre foi à la prophétesse Naomi. Elle vous enverra jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur. Amen. Ne dormez pas. Amen.
kele ko se ke e seramina o yi ba ka wa ye pa pa o se mo ye seramina o yi ba ka wa e sra ko nya ni ke ko ti ti mo me me ti ma me dina me na dio na ma ba na ma ba ya ka ke ya ka ke Thank you.
et il vient, voici qu'il soit en train de tuer tout le monde. C'est-à-dire, comme Jérémie l'a dit, c'est-à-dire, ça a prévu depuis longtemps qu'avec sa venue, on va tuer tous les enfants. Dieu, pourquoi on va tuer les enfants? Pourquoi les fesses se sont passées? Nous avons la vie, bien de la famille, la vie 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 de la famille, au lieu du bonheur de la joie, on a tué tous les enfants de 10 ans et en dessous. Pourquoi? On a anéanti toute sa génération, c'est lui seul qui est resté. On a anéanti tout le monde. Et au moment de exterminer sa génération, Dieu l'a pris pour fuir en Égypte. Ahora se me va a ir un día.
Je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus.